Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de se déguiser et frapper 3 cristaux résonnants à la flèche. Alors c'est un défi de rase, donc que vous avez dans les défis quête de la flèche, et c'est un défi qui pose problème parce qu'il est à moitié buggé. En réalité, vous devez récupérer une mallette, qui se trouve exactement par ici. Attendez, je vais vous trouver l'endroit. Ok, c'est moi, j'ai trouvé. Donc logiquement, la mallette, elle est là. Mais le problème, c'est que quand vous vous déguisez et qu'il y a un petit malin, il vient, il vous tue, ben, vous n'êtes plus déguisé. Donc, vous vous dites, ben ouais, je vais aller reprendre la mallette et je vais me déguiser. Eh ben non, parce qu'en fait la mallette n'apparaît plus, vous ne pouvez plus vous déguiser. Donc, Epic Games est en train de travailler sur ce problème. Et j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un il disait, et franchement merci aux commentaires, hein, franchement merci d'avoir répondu, d'avoir aidé la communauté. Donc j'en fais un tuto ben, parce que tu as géré, je sais plus c'est qui, mais félicitations à toi pour cette astuce. En fait, la personne dans les commentaires a dit, si vous ne pouvez plus vous déguiser, ben, vous venez près d'un cristal. Donc les cristaux, il y en a un là par exemple. Voilà, et vous mettez votre aérosol. Donc vous prenez un aérosol. Donc aérosol, voilà. Et vous faites n'importe quel aérosol dessus. Et logiquement, eh ben ça fonctionne. Ça, logiquement, vous allez pouvoir faire résonner les cristaux. Ben, ça les fait pas résonner. Je dis qu'à moi, ça les fait pas résonner. Ah non, ça ne les fait pas résonner. Mais apparemment, ça fonctionne. Donc voilà, donc là je vous fais la vidéo. Si vraiment ça fonctionne pas et que la personne dans les commentaires a troll, bah, je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ça fonctionnait, mais on ne sait jamais qu'il est troll. Si ça ne fonctionne vraiment pas, ben n'hésitez pas à le dire en commentaire et voilà, je trouverai une autre solution ou voilà quoi. Au moins on sera fixé. Et si ça fonctionne, bah dites-le. Attendez, je vous ai montré trois cristaux. Je vais regarder s'il n'y en a pas un quatrième quelque part. Bah, normalement, il y en a pas mal. Hein. Franchement, on va pas se mentir qu'il y en a un peu partout. Mais j'aimerais bien en trouver un quatrième. Mais peut-être que je me lance dans une tâche qui va me prendre une éternité. Non, je rigole peut-être pas. Donc, on va aller voir là par là. Je sais bien qu'il y en avait une par ici, mais je la retrouve plus. C'est bizarre. Ah oui, je sais où est-ce qu'elle est. Elle est juste là. Regardez, voilà. Voilà, c'est celle-là que j'avais trouvée l'autre jour, enfin dans l'autre vidéo. Et c'est celle-là que je voulais vous présenter. Donc voilà, je vous ai montré 4 emplacements de cristal. Et bien entendu, pour réaliser ce défi, regardez, il y en a même un là. Pour réaliser ce défi, il faut bien entendu faire les défis la flèche. Donc de Raz et de Tarana. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.